Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Tower of God MK Journey, présentation du nouveau personnage Khan V2, perso assez défensive. Pour le moment, il n'y a pas encore la traduction des sorts, mais c'est pas grave, on va directement aller voir ce que le perso donne ici. Alors, on a 3 multi à faire. Est-ce que je peux en acheter normalement? Ouais. Ok, 35. Ok, il est là. Du coup, on va essayer de le trop en 3 multi et quelques singles. Ça serait cool. C'est parti. Si on le drop, on verra ce qu'il donne. Mais normalement, l'utilité de ce personnage est très utile parce que c'est un perso défensif et on en aura besoin pour. Oh! Peut-être! Peut-être! Peut-être je drop! Mais pourquoi lui? Mais dégage! Mais dégage! Mais je joue pas lui. Alors que fait ce perso? On va voir s'il y a eu déjà les traductions. N'oubliez pas que le serveur est disponible. Alors, que fait le perso? On va voir ça. Pour le moment, il n'y a pas encore de trade, malheureusement. Du coup, on va continuer à invoquer sur. Ben, on va invoquer sur lui. Malheureusement, il n'y a pas les trades. Il n'y a pas les trades. Oh là là, je pensais que j'allais être chanceux, mais non. Allez, c'est parti. Ah, là, j'ai rien. Bah, en même temps. Ah, ça veut dire que elle, je la monte. Enfin, je la monte C6. Pas mal. C6. Il y a un truc à récupérer ici? Pourquoi ça clignote? Pourquoi ça clignote? Il y a un truc à récupérer quelque part là? Il y a quelque chose à récupérer, non? Non plus. On va récupérer ça. Et on va utiliser ça. On va aller dans le sac. Ben j'en ai que 3. Bon, on va les utiliser du coup. Oh, une arme bleue. Ok. Ok, bon. Du coup, on repart sur les multi. On repart sur les petites multi. Ah, j'espère pouvoir drop un truc. Ah, j'espère pouvoir le drop. Ok, c'est parti. Je crois que je drop. Yes! Oh, le taux drop, il est très très bon. Hein. Et oui, je le drop! C'est ça qu'on veut! Incroyable! Il était temps! Et ça, c'est ça! C'est pas beau, les gars! Et ça, c'est pas beau! Du coup. Est-ce que j'ai les ressources pour monter ces sorts?
Il est où? Déjà, on va aller équiper gentiment ces équipements. On va monter ça. Ce serait bien qu'il fasse un truc pour augmenter rapidement jusqu'au truc max, là. Ou sinon qu'on puisse utiliser 20, 30, 40 jusqu'au niveau 10. Wow. Après on va ça serait bien que je drop son arme également, ça serait cool. Mais bon, sur les armes, je suis un peu moins chanceux vu que j'ai zéro arme légendaire. Ok. Le niveau 10 qui veut pas passer sur l'arme. Eh ben. Bon, ok, on continue. On a du temps. On a du temps, on a du temps. Ok, c'est bon, passage niveau 10, nice. Et du coup, là, c'est l'arme qu'il faut. Vu que j'ai pas son arme, je vais juste équiper ça. Lui. Maintenant, les sorts. Et non, j'ai rien du tout. Faudra farm ça en off. Maintenant que j'ai le perso, on va aller traduire ensemble ce que fait le perso. Alors. Immunité de contrôle, défense, augmentation de la défense de 16, de 116, ok, pas mal. Pas mal. Bon, là, c'est une compétence offensive, du coup, ça fait des dégâts. Ah, quand il utilise attaque réduite de 61 pendant 3 secondes sur les... Attends, c'est une attaque de zone? Non, c'est une attaque mono cible. Et la troisième compétence, avant d'aller voir l'ultime. Elle augmente les dégâts magiques de 17%. Du coup, c'est un bon support pour Bam Violette. L'ultime, qu'est-ce qu'il fait? Alors, l'allié avec les HP les plus bas plutôt, récupère 315 de vie. Non. 315% de la puissance d'attaque. Augmentation de 61 de dégâts pendant 4 secondes. Si je dis pas de bêtises. Ok, l'ultime il est plutôt assez cool. C'est nice, c'est excellent. On va aller le tester, on va le mettre. Du coup, si je comprends bien, vu qu'il attaque de loin, il me faudrait. Bon, en vrai, j'ai déjà un tank. Il me manque juste ses persos à avoir et c'est bon. C'est good. L'autre qui passe constellation max, du coup. Et qui maintenant devrait être super super utile. Je crois que j'ai aussi lui à monter dans les constellations. Mais non, je vais garder pour le moment. Lui, si j'arrive à avoir deux doublons de lui, c'est un vraiment un très très bon tank.
Bon, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, les amis. Petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça me fait énormément plaisir. Et sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace. Prenez bien soin de tout le monde. Ciao.